Coucou. L'introduction des ordinals sur Bitcoin a eu un impact significatif sur les frais de minage et les rémunérations des mineurs. Avec le lancement d'Ordinals qui a permis l'inscription de près de 74 000 NFT sur la blockchain Bitcoin, les mineurs ont bénéficié d'une augmentation considérable de leurs revenus. Le processus d'inscription des ordinals a généré plus de 600 000 euros, 600 000 dollars en frais de transaction pour les mineurs. Les inscriptions via Ordinals ont renforcé la demande pour l'espace de bloc sur la blockchain, entraînant une augmentation des frais de minage. Cette hausse de la demande a été accompagnée d'une augmentation du hash rate du réseau Bitcoin, intensifiant la concurrence entre les mineurs pour des revenus supplémentaires. L'augmentation des frais de transaction dues aux inscriptions sur Ordinals a été perçue positivement par la communauté Bitcoin. Les mineurs, qui jouent un rôle crucial dans la sécurité de la blockchain, sont mieux rémunérés et donc plus incités à maintenir le bon fonctionnement du réseau. Les inscriptions sur Bitcoin ont inclus une grande variété de contenus comme des mèmes, punk ou autres images, GIF ou vidéos. Cette diversité et l'augmentation des données dans les transactions ont conduit à une hausse des frais de transaction. L'introduction des ordinals sur Bitcoin a bénéficié aux mineurs en augmentant les frais de transaction tout en renforçant la demande pour l'espace de bloc et en diversifiant les utilisations de la blockchain. Ça peut être intéressant dans une optique d'investissement dans les entreprises de minage qui sont actuellement encore à des niveaux intéressants, mais